Madame, Monsieur, bonsoir. À l'aube du samedi 7 octobre 2023, la résistance palestinienne a lancé l'opération Déluge d'El-Aqsa en réponse à l'escalade des agressions et des meurtres en Cisjordanie occupée à la répression contre la mosquée d'El-Aqsa. L'opération Déluge d'El-Aqsa est d'une envergure sans précédent depuis des décennies. Cette opération menée par les brigades Azadin el-Qassem, branche militaire du Hamas, depuis la bande de Gaza, est une démonstration de force, des capacités de la résistance à mettre à nu l'infaillibilité du projet sioniste. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus aujourd'hui dans les rues de capitale occidentale. Avec nous à partir de Berlin, Monsieur Ziad Abdennasser, merci d'accepter notre invitation. Sayyid Ziad Abdennasser, shukran lihudurikum ma'ana sayyidi. Kayfa kanat al-yawm al-mudaharat fi Berlin? السلام عليكم جميعا. نحن في مدينة برلين لحد الآن في عم بيصير أكثر من تجمع في ألمانيا بعدة مدن ألمانية من دوسبورغ، فرانكفورت، هامبورغ وغيرها من يعني هيك من المدن. كل هذا ضمن كمان يعني نفس الفعاليات اللي عم بتصير حول العالم بأمريكا وأستراليا وكندا، هولندا كان في فعالية جدا كبيرة، بإسبانيا بمدريد كان في فعالية جدا كبيرة كمان. فالشعب الفلسطيني والشعوب العربية يعني حتى الشعوب الأوروبية من عم بتكون بالشارع داعم الشعب الفلسطيني. احنا مع تحرير فلسطين من النهر للبحر، واحنا مع المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها المقاومة المسلحة. يعني احنا عم نشوف انه المقاومة الفلسطينية اللي هلا عم بتصير في فلسطين هي مقاومة بطولية عم بتدافع يعني عن حق الشعب الفلسطيني بالحياة، هي رد فعل طبيعي على احتلال فلسطين لأكثر من 75 سنة. حتى لو الدول اللي احنا فيها هي ترفض هذه الشعارات وبتحكي عنا معادين للسامية ولا إلى آخره، بس احنا بنعرف ان الشعب الفلسطيني معه حق. نعم، ومن حقه يدافع عن حقه. سيد زياد عبد الناصر، vous nous dites que plusieurs villes en Allemagne aujourd'hui ont organisé ou ont vu des mobilisations en faveur des Palestiniens après cette agression. Vous dites que ce mouvement de mobilisation est en faveur de la Palestine. Vous êtes, dites-vous également et précisez-vous, en faveur de la résistance et plus particulièrement de la résistance armée. C'est un droit, le droit du peuple palestinien. Sayyid Ziad Abdennasser, كيف ينظر من العواصم الأوروبية إلى المقاومة، المقاومة المسلحة أو لما المقاومة المسلحة تقترح؟ طبعا في عداوة كتير كبيرة بنشوفها احنا بالإعلام الغربي على موضوع المقاومة الفلسطينية. هم بالنسبة لهم ممكن يكونوا متضامنين مع الشعب الفلسطيني إذا كان الشعب الفلسطيني فقط ضحية عم بيعاني من الإبادة وعم بيعاني من التجويع وعم بيعاني من الحصار، ممكن يتضامنوا معه، بس بنفس الوقت بضلهم داعمين للاحتلال. بس باللحظة اللي بقاوم فيها الشعب الفلسطيني ببلشوا يصوروا الشعب الفلسطيني كشعب إرهابي وشعب وحشي ومتوحش وإلى آخره، وهذا شفناه بتصريحات كل الدول الغربية. يعني إحنا لما نحكي عن المظاهرات اللي عم بتصير بالشوارع، هي مظاهرات الشعوب اللي ساكنة في هاي الدول، بس الموقف الرسمي تبع الدول الغربية دائما عم بكون في صف الاحتلال الصهيوني كذيب، إنه هدول راحوا يعني قتلوا وجزروا بالناس وإلى آخره، وكأنه عم بيحكوا عن بلد طبيعي، مش إنه هدول مستوطنين في بلادنا ومحاصرين شعبنا وعم بيقتلوا شعبنا كل يوم، وشعبنا طلع ودافع عن حاله. هذا اللي صار. Vous nous dites, Monsieur Ziad Abdennasser, et je rappelle que vous êtes avec nous à partir de Berlin, qu'une grande partie des manifestants, effectivement, sont en faveur de la cause palestinienne. Toutefois, vous précisez que dès lors que l'on parle de la résistance, il y a une certaine réticence, des clichés de la résistance palestinienne tels que ceux véhiculés récemment, oubliant par là même qu'il y a une colonisation et que ce sont des colons qui ont expulsé les Palestiniens de leur maison. Sayyid Ziad Abdennasser, كنت معنا من Berlin. Shukran jazilan lak. Shukran. Merci infiniment. Monsieur Ziad Nasser, vous étiez avec nous à partir de Berlin. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus aujourd'hui dans les rues des capitales européennes, notamment en soutien aux Palestiniens pris pour cible indistinctement par les forces d'occupation. Berlin, Bruxelles, Madrid, Paris, autant de points de mobilisation pour dire non à cette agression aveugle. Palestine vivra, Palestine vaincra, scandent les manifestants. Avec nous, à partir de Paris, Monsieur Adel Ayed. Merci d'être avec nous, Monsieur Ayed. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Adel Ayed? Oui, allô, bonjour. Oui, merci pour votre invitation. Je vous entends très bien. Oui. Merci d'être avec nous.
Comment vous mobilisez-vous aujourd'hui, monsieur Adel Ayed? Alors, aujourd'hui en France, il y a plusieurs mobilisations cette semaine qui ont été déclarées en fait pour assurer notre soutien et notre solidarité au peuple palestinien qui lutte et qui résiste sur toute la Palestine occupée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à Paris, donc là où est notre organisation, il y aura un rassemblement qui est déposé à la place de la République, donc jeudi 12 octobre à 18h, et on encourage toutes les personnes en fait qui habitent en Île-de-France à venir massivement pour exprimer leur soutien et leur solidarité au peuple palestinien. Ensuite, nous, tout au long de l'année, en fait, avec notre organisation, avec Samedoun, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie, en fait, les initiatives de soutien et de solidarité avec l'ensemble du peuple palestinien, notamment avec les prisonniers, les prisonniers et les prisonnières palestiniennes, qui sont, en fait, pour nous, la frange la plus avancée, en fait, de la lutte de libération nationale palestinienne. Ce qu'on observe aujourd'hui en Palestine, il ne faut pas se laisser avoir, en fait, avec le discours qu'on entend à longueur de temps, en fait, sur les médias occidentaux. Il faut se rappeler que la première violence, c'est le fait colonial. En 1948, l'établissement en fait d'un État colonial sur la Palestine historique. C'est ça l'origine de la première violence. Les Palestiniens, eux, ne veulent que vivre en fait. Ils ne réclament que leur droit à vivre dans une Palestine libérée de la mer au Jourdain, une Palestine libre, démocratique. Mais ils ne peuvent pas en fait s'épanouir librement, ils ne peuvent pas vivre librement, en fait, dignement, dans une Palestine qui est morcelée, comme on le voit en Cisjordanie, où ils ne contrôlent qu'une toute petite minorité du territoire, où la Cisjordanie, elle est vraiment morcelée par des colons qui sont appuyés par l'armée israélienne. Ça, c'est impossible. On voit des villes comme Al-Khalil, où il y a des colons à l'intérieur même de la ville, où les Palestiniens, en fait, ils sont obligés de mettre des barreaux à leur immeuble, à leurs fenêtres, pour pouvoir vivre tranquillement. Ils n'y arrivent même pas. Et il y a des raids constamment, en fait, tous les jours en Cisjordanie, avec des dizaines et des dizaines d'arrestations. Et donc ça, c'est la violence que subissent au quotidien les Palestiniens, avec des spoliations de terres, avec des expulsions, des destructions de maisons. Ce qu'on observe à Gaza aussi, c'est qu'on voit que depuis 16 ans, il y a un blocus de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est quoi? C'est, il y a plus de 60% des habitants de Gaza qui sont des réfugiés. Oui. C'est une des zones les plus densément peuplées au monde. Absolument. Et depuis 2007, on observe qu'il y a eu 5, si on compte celle, l'offensive qu'on est en train d'observer aujourd'hui, il y a eu 5 grosses offensives sur la bande de Gaza. Je vous fais juste le rappel, en 2008 et 2009, il y a eu une offensive qui a duré 3 semaines et qui a causé 1400 morts, dont 345 enfants. En 2012, 7 jours d'offensive avec 167 morts. En 2014, il y a eu 50 jours d'offensive avec 2200 morts, dont 500 enfants. En 2021, il y a eu 260 morts. Aujourd'hui, on en est à 800 morts chez les Palestiniens de la bande de Gaza, 4100 blessés. Ces frappes-là, en fait, ces bombardements constants de l'armée israélienne, ils ont un impact énorme sur la construction, en fait, de la société Razaoui. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y a des enfants de 16 ans qui, depuis, qui n'ont grandi, en fait, que dans un état de siège permanent, dans un état de guerre permanent. La principale violence, elle vient du fait colonial. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Les Palestiniens résistent avec les armes que leur laisse l'état colonial. Est-ce que votre discours est audible aujourd'hui, en France particulièrement? Vous avez parlé du discours véhiculé par les médias. Le vôtre est-il audible et arrivez-vous à convaincre? Oui, totalement. En fait, on n'a même pas à convaincre parce que il y a une différence avec ce qu'on entend sur les médias de grande écoute et ce qu'on observe nous dans la population. C'est-à-dire que nous, très souvent, on fait des collages d'affiches en fait dans la rue, solidarité en fait avec le peuple palestinien, avec sa résistance, ou alors on tient des stands où on informe en fait la population, notamment des quartiers populaires, des actualités en fait de la lutte du peuple palestinien. Ce qu'on observe en fait sur le terrain, c'est qu'en grande majorité, mais y compris aussi chez les populations issues de l'immigration, qui viennent en fait de pays qui ont subi cette colonisation-là, notamment en fait, on pense à l'Algérie. La diaspora algérienne est une des parties les plus qui assure le plus son soutien en fait en France au peuple palestinien, parce que c'est gravé dans son ADN. Il se rappelle en fait que l'Algérie a arraché son indépendance au prix de 1,5 million de chahides. Mmh. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous quand on parle à la diaspora algérienne, on n'a même pas à leur convaincre. C'est eux qui nous apprennent des choses. C'est eux qui nous rappellent, ah mais vous savez, souvent ils nous disent, c'est notre deuxième pays. À chaque fois qu'on sort un drapeau palestinien, les citoyens algériens en fait sur le sol français ou les Français d'origine algérienne, ils veulent absolument se saisir du drapeau palestinien. Ils nous disent, on est fermement attachés à ça parce que ça leur rappelle les sacrifices des générations précédentes, ça leur rappelle le combat de leurs ancêtres en fait. Monsieur Adel Ayed, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous êtes membre du réseau Samedoun et vous étiez avec nous à partir de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci.
L'Organisation mondiale de la santé a demandé l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza bouclée et bombardée par l'armée d'occupation. Un couloir humanitaire est nécessaire pour acheminer les fournitures médicales essentielles aux populations, a déclaré un porte-parole de l'OMS lors d'un briefing de l'ONU à Genève. Le nombre de personnes déplacées s'est considérablement accru dans la bande de Gaza, s'élevant à plus de 200 000 depuis samedi. La plupart se réfugient dans des écoles de l'UNRWA, 83 écoles au total gérées par l'Office de secours des Nations Unies. Avec nous à partir de la bande de Gaza, Iyad Alastal. Iyad Alastal, quelle est la situation à Gaza? La situation vraiment dramatique, catastrophique à Gaza, dans toute la bande de Gaza. Parce que l'armée israélienne, voilà, quand elle a commencé cette attaque contre la bande de Gaza, elle a attaqué partout, dans toutes les villes de la bande de Gaza, sans prévenir les habitants. Cela produit malheureusement beaucoup de martyrs. La majorité sont des enfants et des femmes. Elle a aussi blessé plus de 3000 habitants palestiniens. Sans oublier aussi les gens qui sont bombardés, qui sont sous les ruines et les décombres des maisons. Parce que, en fait, vraiment, il y a une vraie crise aussi pour enlever les corps des victimes qui étaient bombardées alors qu'ils étaient dans leur maison. Est-ce que il y a des alertes préalables? Est-ce que vous êtes averti? Parce que selon la population ou certains contacts avec qui nous nous sommes entretenus, les bombardements ont eu lieu sans prévenir de façon préalable. Franchement, l'armée israélienne, lui qui gère aujourd'hui ses attaques contre la bande de Gaza, et lui, il prévient quand il peut, mais il ne prévient pas souvent. Alors, pour blanchir son image devant la communauté internationale, il dit, voilà, qu'on a prévenu, qu'on a dit, ci et ça, mais en général, vraiment, il bombarde les maisons sans prévenir les habitants. Et pour ça, il y a beaucoup de victimes qui sont parmi les femmes et les enfants. Parce que voilà, ils se trouvent la nuit dans leur maison en train de dormir, de se reposer, alors que l'armée israélienne, elle prépare ses attaques pendant la nuit pour vraiment faire tomber plus de victimes du côté palestinien. Hier, de ma famille à la salle, par exemple, il y a eu deux familles qui étaient bombardées avec leurs enfants, avec les femmes, et cela produit 8 morts, donc pas très loin de chez moi, à Khan Younes. Iyad Alastal, selon les médias présents sur place, des armes interdites, telles que le phosphore blanc, auraient été utilisées dans la bande de Gaza. Pouvez-vous nous confirmer cela? Quelles sont les armes également qui sont utilisées? Selon les témoignages et les images qu'on a vues hier pendant la nuit, il y a eu beaucoup de retours de la part de la population qui disait, voilà, qu'il y a eu beaucoup d'odeurs très très fortes, alors que les gens ils toussaient, ils amenaient beaucoup d'énergie, les gens ils grattaient. Mais de toute façon, l'occupation israélienne utilise toujours même la bande de Gaza comme un champ d'expérimentation pour saisir ses armes contre la population et pour, après ça, la commercialiser auprès des pays européens et des États-Unis. Malheureusement, l'armée israélienne ne respectait jamais le droit international, même les règles des guerres. Et du coup, voilà, ils utilisent des armes qui sont interdites selon le droit international. Alors, une toute dernière question. Est-ce que les points de passage sont ouverts? Est-ce que le point de passage de Rafah est ouvert? Excusez-nous, nous savons que les conditions sont très difficiles, mais permettez-moi encore cette dernière question. Oui, le passage de Rafah, il a fonctionné tout au long de cette attaque israélienne, de cette guerre israélienne contre la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, il y a quelques heures, le passage il a été fermé entièrement contre le déplacement des Palestiniens de Gaza et à l'extérieur de Gaza parce que l'armée israélienne veut isoler la bande de Gaza du monde entier. Donc, il ne veut pas que personne sorte de la bande de Gaza. Il coupe l'électricité et l'internet et l'eau sur la bande de Gaza. Donc, il a des intentions vraiment pour commettre vraiment un génocide contre la population de Gaza. En même temps, l'armée israélienne, elle a interdit aussi la fourniture des colis alimentaires, des repas, des produits essentiels à la bande de Gaza. À tout à l'heure, l'armée israélienne, elle a envoyé un message éclair à l'autorité égyptienne, parce que voilà, l'Égypte, c'est le voisin de Gaza. Oui. Elle a demandé à l'Égypte de ne pas fournir aucun centime de médicaments, aucun gramme aussi de nourriture à la bande de Gaza. Et elle a dit, voilà, s'il y a des camions ou des produits, des aides qui arrivent à Gaza, elle va bombarder à tout de suite. Et malheureusement, l'Égypte, elle n'a pas déclaré jusqu'à maintenant est-ce qu'elle va accepter cette demande israélienne ou elle va donner l'aide à Gaza.
Nous le verrons dans les prochains jours. Monsieur Yed Alastar, merci infiniment d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et de votre famille, de vos proches. Merci beaucoup. Vous étiez avec nous à partir de Reza. Merci. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, rappelle que l'imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant des biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire. Avec nous, monsieur Anwar Abou Aïch, merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de droit humanitaire international ou sommes-nous dans d'autres paramètres ? Ce que j'ai envie de dire, c'est que la punition collective est une règle dans la politique israélienne, dans tous les territoires occupés, que ce soit à Gaza aujourd'hui ou dans la Cisjordanie, partout. Au regard du droit international, il est absolument interdit de priver la population sous occupation de nourriture, d'eau ou même de médicaments et tout ce qui est nécessaire pour mener une vie normale, j'allais dire, mais sous occupation, c'est jamais normal. C'est interdit par le droit international. C'est un crime de guerre, c'est hors la loi. Mais aujourd'hui, le droit, c'est pour le plus fort. Et en tout cas, on est habitué dans cette communauté internationale de voir les règles de deux poids et deux mesures. Les condamnations se font souvent du bout des lèvres, mais sans mesure effective. Il n'y a même pas vraiment de condamnation. Déjà, je vous dis que jusqu'à cette heure-ci, là, vous avez 8 confrères journalistes qui ont été tués à Gaza. Absolument. Et il y a des quartiers entiers qui sont rasés. Même que le local de la Croix-Rouge internationale a été touché par le bombardement. Alors, à Gaza, c'est vraiment l'enfer, l'enfer matériel, l'enfer nous manque tous. On a perdu le contact avec beaucoup d'amis à Gaza parce qu'ils n'ont pas d'électricité non plus. Dans la plupart de la région de Gaza, il y a peu de net. Donc, ils sont coupés du monde, ils sont bombardés. Ils n'ont pas d'électricité, incessamment sous peu, ils n'auront pas d'eau et il y aura certainement un manque de nourriture. C'est un blocus inhumain, ce sont des privations inimaginables. Ce qui fait le plus mal, c'est vraiment de savoir que la communauté internationale avec les États-Unis à sa tête approuve ces actions israéliennes. Ce qui fait le plus mal encore, M. Anwar Abou Aïch, c'est que des capitales arabes ouvrent leur sol à la présence de soutien militaire en faveur de l'État occupant. Oui, tous ceux qui soutiennent Israël et lui félicitent la tâche. C'est juste. Maintenant, j'ai envie de vous parler aussi, je ne voulais pas être long, mais j'ai envie de vous parler de la situation aussi en Cisjordanie. S'il vous plaît. Parce que en Cisjordanie, que ce soit à Ramallah, Hébron, à Nablus ou à Qalqilia ou partout, dans toutes les communes palestiniennes en tout cas, il y en a plus que 500, toutes les communes sont fermées, bloquées par l'armée israélienne. C'est pas vraiment le couvre-feu, mais disons que c'est une sorte de couvre-feu entre communes. Toutes les barrières autour de toutes les villes sont fermées, personne ne sort ni rentre. Nous avons déjà commencé à sentir le manque de nourriture. Il y a déjà des manques. Dernière chose, si vous permettez. Bien sûr. C'est que vraiment, tout le monde, surtout les Palestiniens qui n'habitent pas loin des colonies israéliennes, vivent dans une peur bleue parce que nous savons, nous voyons que les colons s'organisent pour faire des raids contre les habitants palestiniens là où ils peuvent. D'ailleurs, ils ont déjà agressé beaucoup de Palestiniens sur les routes entre communes palestiniennes. Monsieur Anwar Abou Aïch, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi. Anwar Abou Aïch est professeur de droit civil à la faculté de droit de l'université d'El Quds et il était avec nous à partir de Riha. Ce programme spécial arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro, pour une autre émission spéciale consacrée à la Palestine occupée.